Grand bonjour, grand bonsoir à tous. Je vous dis à ce grand plaisir pour nous porter pour vous une nouvelle vidéo. Voilà, on va poursuivre avec ensemble des exercices que nous avons connus avant. Si nous avons l'autre exercice encore, on dit que pour soulever une charge ayant un poids de 1350 N, Renaud exerce sur l'extrémité de la corde des palans une force d'intensité F qui c'est 450 N. Petit tas, numéro 1, on vous demande de calculer le nombre de brins de ce palan. Deuxièmement, on vous demande d'indiquer si Renaud déroule 12 mètres de long, 12 mètres de la corde, quelle hauteur vivra la charge. Alors, quelle hauteur s'élèvera la charge? Ok? Je dis, là, on parle de l'indemnité avant, et l'association, on dit, et la réunion, on dit, ou bien de l'assemblage de plusieurs poulies, les bails, ça les parlant. Et bien, ça, c'est du parlant à part. Je dis que pour soulever une charge, il y a un poids 1350 N, et le Renault lui-même, qui c'est un. Et ils ont ouvrier qui a travaillé dans la construction. Ok? Et bien normalement, ils disent, non, avec le code de travail, la pêche à la montée, et bien ils ont une force qui c'est 450 N. Je dis, ils ont fait connaître, ils ont demandé, parlant la petite de poulie, la petite rivière, qui valait 8 millions. Ok? Ou bien il y a des systèmes pour la petite rivière qui valait 8 millions. Et puis, deuxième mot, si Renaud utilisait 12 mètres, 12 mètres de code, pour faire et pour monter, n'est-ce pas, maintenant là, il demande qui hauteur la planète des charges. C'est facile. Très facile. Là, on dit que la solution, premièrement, le bon exercice, voilà, pas fait donner. Parce que nous avons appris où tu peux faire donner des choses. Nous avons appris comment pour faire une donnée d'exercice, ou elle n'a pas fait donner. C'est vraiment l'exercice normalement, mais nous avons appris chaque salle par le ou écrit à côté. Donc, lorsqu'on finit de lire, et puis, on a appris chaque salle besoin de si vous parlez. Et pour avoir une réponse au besoin. C'est pour ça qu'il est un travail bien facile. Ok? Là, on dit calculons le nombre de brins de ce palan. La formule, ok, dans un système, de poulies ou bien un palan, ok, et un système de plusieurs poulies, ok, et bien pour joindre F, qui c'est force, égale c'est poids sur nombre de brins. Et bien, on pose une formule là, pour exposer une formule ça, c'est F égale poids sur le nombre de bruits, parce que si le nombre de bruits nous demande, ou bien ou bien avoir un poids, ou bien F, c'est sûr que, ou quand on a un nombre de bruits, pas vrai, mais formule ça est possible. Vous dites, force égale, c'est poids sur le nombre de bruits. Donc, on a dit, nombre de bruits égale, c'est sur le poids à diviser par force. Et bien, ou bien poids valeur, qui c'est 1350 N. Divisé par 450 N, c'est force, et bien le nombre de brins est égal avec 3. Alors, si vous avez demandé de vous faire un schéma, vous avez un schéma qui vient 3 poulies. Est-ce que nous là? Vous avez un schéma qui vient 3 poulies. Ok? Voilà. Ici, deuxième question, vous dites calculons la hauteur de la charge, c'est vraiment la charge. Et bien, la hauteur est égale. On va poser une formule qui c'est longueur de la corde égale le nombre de brins à multiplier par hauteur. C'est-à-dire, ou bien longueur, ou bien nombre de brins, c'est-à-dire, ou carré hauteur. Et bien, avec une formule de ça, on va dire hauteur égale c'est longueur à diviser par nombre de brins. Ok? Et bien, hauteur bien égale c'est 12 mètres, là, que c'est longueur de la corde, c'est là, 12 mètres de la corde, longueur de la corde là, à diviser par nombre de brins, c'est 3. Ok? Eh bien, on va le valeur, et là, pour ouvrir 12 divisé par 3, d'une barre
4 mètres. À mes 4 mètres, c'est pour terre. La lever chaque jour, nous capables de déposer notre condition de mer. Ok? Donc, c'est très facile comme de l'eau à boire. Allez, pas oublier, allez, bouger, partager les vidéos, pour plus de l'air par vous. Ok? Et puis, si vous avez un enfant, écoutez notre mentor, pas oublier d'être dans le groupe WhatsApp là pour travailler ensemble. Et puis, assurément, apporter de bons résultats. Donc, merci à tous. Je vous dis que retrouvez-vous encore dans une prochaine vidéo.